Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Amen. 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 Seu kata nye mau dora a Dieu toutes les puissances nous seu nye da oda a lui toutes les puissances bébé nous seu kata nye mau dora a Dieu toutes les puissances nous seu Nyeta Oda A lui toute la puissance Asa Oye Owa Chef d'armée et Yehova Amen Menu Bela fofo ma unye Sur le père Fofo ma we nu Sao Nyeta Oda Musa Nyeta Oro Nusa Nyeta Oda Asapo Ye Owa Asapo Ye Taolo, Musa, Yeda, Aora, Hallelujah, Musa, Yeda, Abba, Pia, Yehova, Abba, Pia, Yehova, Yehova. Fofo ma we oh Nusa Yeda Oda Hallelujah Nusa Yeda Asa Foye Owa Asa Foye Marabayande, Marabayande, Borobozabaya, Borobozabaya, Asaba Yehova, Asaba Yehova, 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 Amen, Barabo, my way. Yeta Oro, Nusa, Yeta Oda, Hallelujah, Nusa, Yeta Oda, Asa Foye Wawalo, Asa Foye.
Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Kamesu, voici le Benagafonu, afin que tu parles. Depuis des temps passés, ce n'est que l'homme tu utilises. Egakpokplusotoya. Tu as vu la moindre de cette coupe. Papa Mia Wenyesi. Père, nous voici. Nous nous remettons à toi. Aledru, nebeya chomiwea. Tel tu veux nous utiliser. Papa chomiwe. Père, fais-le. Ton peuple est à l'écoute. Alors, parle-nous. Parle-le. Que des bien-aimés disent Amen. Que des élus répondent Amen. Les personnes chères à Dieu, dites Amen. Alléluia. Amen. Par Jésus, une fois encore, je vous souhaite les bienvenus ce soir. Amen. Voici donc la grâce que le Seigneur nous a faite de nous amener dans l'année 2022, et spécialement en ce mois de janvier, qui est donc le premier mois de l'année, le Seigneur t'a amené dans le camp de prière. Jésus est la solution. Et laisse-moi te dire, avec Jésus, ta vie connaîtra le succès au-delà de ce que tu penses. Nous allons évoluer dans la parole de Dieu et après, nous allons prier. Cette soirée, nous prions par rapport à deux problèmes. Le premier des problèmes est au sujet de la malédiction. Le second problème, c'est au sujet de l'envie. Amen. Disons Amen. Et nous me pouvons nous signer Fipo de Gomé. Très souvent, je parle, je donne l'explication par rapport à ce qui concerne la malédiction. Fipo de Gomé, c'est que Ametogbe. La malédiction, disons, c'est donc un mauvais héritage que ton papa, que ton grand-père te laisse. Et cela donc devient l'héritage de la famille. De même, cela peut être une mauvaise déclaration qu'il ou qu'elle a déclarée et cela aura effet dans la vie de la descendance ou de la postérité. Il y a la malédiction de notre village ou de nos localités aussi. Et la malédiction liée à notre dialecte. De même, les familles dans lesquelles nous sommes nés, sa malédiction existe aussi. Que ce soit du côté de ton père ou du côté de ta mère.
Le quartier dans lequel nous sommes nés, il y a aussi sa malédiction existante. Et le pays dans lequel nous vivons aussi, il y a sa malédiction existante. Et ces différents types au niveau de malédiction. Et l'homme aussi, sa partition à jouer pour avoir malédiction comme héritage dans sa vie existe aussi. Avant que la personne ne commette un acte et on le maudira. Que ce soit Dieu qui a maudit, la personne ou un homme qui l'a maudit. Et c'est donc une malédiction. Et ces malédictions ont toujours effet sur la descendance. Alors, aujourd'hui, plusieurs maladies, la pauvreté, le célibat, plusieurs des cas d'infécondité, sont basés sur la malédiction. Amen. Mais la seule personne qui domine cette malédiction, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque nous acceptons Jésus, est-ce que les malédictions sont toutes parties? Les malédictions ne partent pas du jour au lendemain. Que personne ne vous trompe. La malédiction n'épargne pas un homme de Dieu. Si tu es un homme de Dieu, né dans une famille, alors quel y a un héritage qui existe? Et on fera la répartition et que tu auras aussi ta part en tant qu'homme de Dieu. De même aussi, la malédiction t'attend. La seule chose avec laquelle tu vas dominer, la seule chose avec laquelle nous allons dominer, c'est la prière. C'est la prière. Voilà. Le pays dans lequel nous existons, et de surcroît encore, il y a la malédiction de l'Afrique qui est là aussi. Et cette malédiction ne concerne rien que les Africains. Et à chacun, la malédiction qui le suit. Mais ce soir, nous allons prier. Amen. Ces jours seront enlevés de nos vies. Alors, sans vous fâcher, humblement, nous allons prendre nos Bibles. Oui, Enéadji. Mon sebak balé, ban tota Ené. Ok. C'est Genèse chapitre 4. Mon sebak balé, ban tota Ené. Oui, de ke. Basse le pou, oui, Ené. Malgré le bébé, Bible, ho ho tome. Genèse chapitre 4, du verset 11 au verset 14. Azon oula. Wo profi ade wo anigba esi ne konovi o pe vulade asi o laji ne enro anigba la megale nu vage na o chachalakle gojela nanye le anigba ji aye kai gbona Yehowa bena nye voda dao pewu chocho wonyam egbe cho agbede nigbalaji majo le wonkuta
anye chachala kple gojela le anyigbaji eye ava mebena amesi amesi akpomla awum. Amen. Amen. Lisons le passage de ce soir dans Genèse chapitre 4, verset 11 au verset 14, selon la version Louis II qui dit « Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Le verset 13 dit « Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. » Et le verset 14, « Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera, me tuera. » Amen. Amen. Disons Amen. Amen. Et si je dis que la malédiction est un héritage de famille et qui va de génération en génération, on l'a encore constaté dans ces versets que nous avons lus. Avec une partie de ces versets, nous faisons le prière du serpent à domicile. Mais nous n'allons pas parler par rapport au thème du serpent à domicile, mais nous allons prier par rapport au thème de la malédiction ce soir. Le meurtre qui a débuté ou commencé Le meurtre a commencé depuis le premier homme que Adam a engendré. Là commence le meurtre. Dieu a béni Adam, Ève et ses enfants. Car lorsqu'il allait avoir le premier enfant, c'est Caïn. Evelia Abel. Le second est au nom d'Abel. Et il leur a donné deux garçons qui sont venus l'un après l'autre. Et un est berger. Le second, il est cultivateur. Abel est le berger. Et Caïn est le cultivateur. Tous deux ont fait leur champ ou leur activité, disons. Ils ont fait leur offrande ou sacrifice à Dieu. Et le sacrifice qu'ils ont fait, la Bible déclare. Le sacrifice d'Abel monta à l'Éternel. Et l'Éternel a agréé donc son sacrifice. Caïn lui, à son retour, à son tour, est allé faire le sacrifice à l'Éternel avec les choses qui ne sont pas dignes. Donc l'envie s'est installée. Et c'est par là, il a commencé par persécuter son frère par envie. Nous avons dit au début que ce soir, les thèmes concernent la malédiction et l'envie. Ils étaient de même père, même mère, l'un est venu après l'autre. Mais il y a un qui persécute son frère avec envie. Ce qu'il a fait, le sacrifice qu'il a fait, et Dieu a porté le regard favorable sur le sacrifice. Il est allé faire le sacrifice à Dieu avec des choses mauvaises. Alors Dieu n'a pas agréé son sacrifice. L'envie s'est installée en lui. Amen. Quiconque te persécute par envie, que l'Éternel se lève et qu'il le prise pour toi. Car disons, Abel avait un bon cœur. Il avait le cœur de don.
Il avait le cœur de sacrifice. Il a pris un agneau qui était au complet. L'agneau le plus grand parmi son troupeau. Il n'a pas été avare à l'égard de Dieu. Et Dieu a porté un regard favorable sur son sacrifice. Et son grand frère. Au lieu de dire, grand frère Abel, comment est-ce que tu l'as fait, l'Éternel t'a agréé? Dis-le-moi, s'il te plaît. Mon frère, s'il te plaît, dis-le-moi. Il a réfléchi. Si donc tel est le cas, à cause de son sacrifice agréé par Dieu, il va le tuer. Quelqu'un qui a fait un don à Dieu. Regarde comment la méchanceté a débuté depuis la nuit. Dans le jardin de Dieu. Pendant ces temps de joie. Au moment où Dieu avait créé la famille et ils étaient les seuls habitants sur la terre. Voilà donc le premier enfant d'Adam. Il a commencé par avoir de mauvaises idées à l'égard de son frère. Si tu es persécuté par envie, même l'enfant à ta mère va t'envier. L'enfant à ton père va t'envier. Même ta femme, ton mari va t'envier. Tes enfants vont t'envier. Lorsque tu es persécuté par envie, tu ne vas rien faire. Non. Et l'envie va te persécuter bien. Parce que l'envie te persécute, tu seras persécuté partout. Je l'ai dit pour la seconde fois, quiconque, tu as constaté que l'envie te persécute. Amen. Le ciel va briser les envieux. Dites amen bien-aimé où que vous soyez. Si tu es persécuté par envie dans ton service, dans ton quartier, dans le marché, dans l'établissement scolaire, partout où tu te trouves, tu es persécuté par envie. Amen. L'Éternel va briser les envieux. Le Seigneur est béni. Dites une fois encore amen, très fort. Alléluia. Amen. Mignan, savez-vous ce qui s'est passé? Il a conduit son frère Abel, voulant aller au champ et s'amuser. Ils sont donc arrivés dans le champ. Et il a prêté une arme, une lame. Lorsqu'ils sont arrivés là-bas, il était en train de s'amuser avec son frère. Il causait tous ensemble comme si rien n'était. À cause de l'envie, tu peux être tué. Certains d'entre vous traversaient les épreuves, c'est à cause de l'envie que vous êtes persécuté. Tu n'as rien fait. C'est à cause de l'envie que tu es persécuté. Amen. Adam. Lorsqu'Adam a donné naissance à ses enfants, il a voulu que les enfants soient ensemble. Mais il a écouté que ses enfants se sont unis, sont allés ensemble au champ. Alors, le père est content que les enfants soient ensemble. Mais le père ne savait pas qu'un enviait l'autre. Ce n'est pour rien. Il a donné à Dieu. Ce qu'il a donné, c'est ce qui lui deviendra la mort. Ce qu'il a, qu'il a donné à Dieu, c'est ce qui lui deviendra la mort. Amen. Si le diable te tend des pièges à cause de tes biens que Dieu t'a donnés, voulant que c'est toi qui seras englouti, que c'est toi qui seras détruit, laisse-moi te dire, le complot lui sera retourné doucement. Mais on doit blâmer quoi? Ils sont donc arrivés dans le champ.
Ils étaient en train de s'amuser. Quelque temps après, il a pris donc un gourdin. Il a frappé son frère par la nuque. Et le frère est tombé. Et je me disais, ah, Caïn, qu'est-ce que tu as fait ainsi? Je te supplie. Le frère était à terre, gémissait. Le dos, l'anigma. Il criait par terre. Le gapo le fume. Il gémissait dans le sang. Il le frappa de nouveau. Et le frère pleurait à terre. Le fume le fume. Il était dans le sang là-bas. À cause de ce qu'il a donné à Dieu. Vous regardez comment l'envie persécute l'homme. Et les envieux ont plusieurs moyens de ruse. Amen. Que le ciel défie tous les envieux. Amen. Je dis que l'Esprit de l'Éternel, la puissance de l'Éternel rencontre tous les envieux. Si tu es enfant de Dieu libéral, tu es bon de cœur. Et les envieux te persécutent. Toi, tu n'as aucune idée derrière la tête. Tu as un cœur pur. Et les envieux sont contre toi. Parce que Abel, lorsqu'il a suivi son grand frère, il ne savait pas que son frère avait une mauvaise idée à son égard. Mais il avait en lui une idée. Oh, et ce jour, Abel était là dans le sang. Dieu était tellement fâché dans le ciel. Il a dit, comment? Savez-vous, on n'a pas parlé des anges de Dieu. Non. Dieu même en personne appela Caïn. Écoutez bien ceci. Dieu envoie ses anges parler aux hommes. Mais quel Dieu a été très irrité par la situation. Dieu s'est levé sur son trône. Et lui-même, il appela Caïn. Il dit, Caïn. Et quand il dit qu'il dit, c'est moi l'Éternel. Où est donc ton frère? Dieu était tellement irrité. Il y a certaines personnes qui sont chères à Dieu. Dieu n'enverra pas un ange. Lui-même se lèvera. À cause de toi. Que l'Éternel se lève ce soir. Que l'Éternel se lève ce soir. Que le ciel se lève ce soir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Minya, Amado, Wasina Mao. Savez-vous, certains ont du prix devant les yeux de l'Éternel. C'est pour cela que Dieu n'a envoyé aucun ange. C'est Dieu même qui s'est levé en personne. Il a dit, comment? Et écoutez la réponse de Caïn. Il dit, suis-je donc le gardien de la vie de mon frère? Et tu me demandes, mon frère. Alors, par orgueil, il donna encore la réponse à l'Éternel. Et l'Éternel dit, ah bon? Tu as tué ton frère. Tu as fait verser son sang. Il m'est cher. Alors, à partir de maintenant, à cause de ton frère que tu es, à cause de ton frère tu es, je te maudis. Magano. Tu ne resteras plus sur aucune terre fertile. Je te chasse sur les terrains cultivables fertiles. La terre que j'ai donnée à ton frère, c'est sur cette terre, toi, ton père, ta mère, vous allez rester. Mais à cause du meurtre de ton frère, je te chasse sur la surface de ta vie. Tu ne resteras fixe quelque part. Tu deviendras un errant. Tu seras vagabond. Quand tu vas
d'endroit, tu ne vas pas réussir. Tu quitteras cet endroit pour un autre endroit. Quand tu quittes là, tu iras à un autre endroit. Cette descendance, il a dit, cela aura effet dans ta vie. Il a dit, ah, quelle est donc cette situation? Je suis en train de parler de la malédiction. Dans la famille de certains, c'est rien que des vagabonds, ils sont. Tu vas bâtir une localité ici, tu vas quitter d'endroit à endroit. Les gens seront fixes et vont réussir. Mais quand toi tu observes ta famille, vous n'êtes que des vagabonds. Et la bena. Car ils sont nés dans une famille de malédiction. Quand il dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand. Je suis chassé aujourd'hui de cette terre. Voilà, c'est dans le verset 14 et il a parlé ainsi. Il a dit, je suis chassé de cette terre. Mais le verset dit, voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face, ou disons au mieux selon l'élevé, j'ai quitté ta présence ou j'ai quitté ta face. Je serai errant et vagabond. C'est vrai. Partout où il est. Et magano. Et le sorcier et les envieux sont des demi-frères. Ils sont de même père. Mais s'il avait la sorcellerie, il allait le tuer en esprit. Il sera là, toute douce personne sera là. Il serait là-bas ensemble en train de prier. Et puisqu'il n'a pas la sorcellerie, afin de le tuer en esprit, il a ramené dans le plan physique. En ce temps, il n'y avait pas la sorcellerie. Ils étaient même père, même mère. Mais ils ne l'ont pas contracté chez quelqu'un. N'eût été le cas, ce serait une affaire spirituelle. Mais il est allé le faire de façon physique. Quiconque se trouve dans cette chapelle, et tu es persécuté par envie. Même jusque dans le foyer, on est persécuté par envie. Et ta belle famille serait en train de dire, c'est toi seul qui est en train de bouffer notre enfant. Toi seul, tu es en train de bouffer le mari, ton mari. Allô? Ou le service dans lequel tu es. Tu es envié dans le service. Bien. L'envie. C'est un mauvais esprit. Et nous allons prier par rapport à ce sujet ce soir. Et donc cette malédiction a suivi Caïn et sa descendance. Ils sont devenus des errants. Tu verras donc qu'aujourd'hui, et dans certaines familles, rien que des belles filles existent. Mais se marier est devenu un problème.
Elles vont bien sûr se marier, mais ne resteront pas au foyer. Elles sont nées dans une famille de malédiction. Il y a certains qui étudient bien. Mais jamais sont des chômeurs. Il y a certains qui sont des employés. Mais le poste qu'il occupe, il est toujours à ce poste. Il va bien sûr donner des formations aux gens. Les gens deviendront dégradés. Mais là où il reste toujours là. Parce qu'il n'y a pas l'esprit de supériorité dans leur famille. Tu serais un peu réfléchi. Tu penseras que c'est quelqu'un qui est à la base. Quand tu briseras les malédictions sur ton chemin. Amen. Le ciel va te prendre de zéro et te positionner à 1000. Il va te prendre de zéro et te positionner sur la planche de 1000. La malédiction, tu peux aller même à l'Occident ou dans les pays orientaux. Et tu diras, les affaires marchent dans ce pays occidental ou au pays oriental. Et les affaires marchent dans ce pays d'Afrique. Les gens seraient là-bas en train de prospérer. Mais toi, tu serais errant. Et lorsque tu as béni quelqu'un, il a brisé les malédictions. Là où les gens vont sans réussite. Lorsque tu vas là, tu vas réussir. Cette nuit, que les jours de malédiction soient brisés de ta vie. Si tu crois en cela, tu feras amen. Hallelujah. Amen. Cain. Il est la première des personnes qui a fait établir la malédiction. Il est donc aussi la première personne. Disons, c'est son grand-père qui a été maudit premièrement, qui était Adam. Et c'est lui qui est encore venu rappeler cela à Dieu. Nubia. L'envie. Et non. Et Damé. C'est ce qui était en le serpent. Et le serpent dit à la femme, c'est comme si on vous a dit de manger tous les fruits des arbres. Et la femme a dit, oui, mais le serpent dit à l'Éternel, c'est que lorsque vous en mangerez, vous serez plus intelligent que lui. Pour cela, mangez-en. Cet arbre. Donc, si vous mangez le fruit, vous allez mourir. Il a menti. Lorsque vous en mangez, vous allez recouvrir tous les sens. Vous serez très intelligent. Et la Bible dit que le serpent est le plus rusé de tous les animaux. Satan a Adam C'était Satan qui était transformé en le serpent et il est venu. Alors puisqu'il y a l'esprit d'envie en lui, il enviait Adam et Ève. Alors dans son idée, il a voulu les enlever de là où Dieu les avait placés pour leur bonheur. S'il y a un chemin de ruse que Satan va utiliser pour t'éloigner du bonheur, que l'envieux va utiliser pour t'écarter du bien, amen. L'Éternel puisse ce chemin. Dites plus fort amen, bien-aimé. Amen. Dites plus fort amen. Amen. Une personne peut y répondre amen. Écoutez-moi, bien-aimé. Quelque chose s'est passé. Tu verras dans certaines familles, lorsque tu observes la famille, ils ne sont pas des paresseux.
Mais la terre cultiva qu'exploitent les gens, ils exploitent aussi cette même terre. À partir d'aujourd'hui, la récolte sera pauvre. La malédiction va quitter ta vie. S'il y a un saint qui écoute cela, qui répond Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimés, écoutez. Il y a certaines terres cultivables. Lorsque les gens cultivent cette terre, la récolte est parfaitement bonne. Mais lorsque vous observez certaines familles, ils vont cultiver cette même terre, mais la récolte ne sera pas bonne. Parce que Dieu a maudit quand il lui a dit, aucune terre ne sera productive pour toi. Vous verrez dans ces familles, ce sont des personnes laborieuses. Ce sont eux ou ce sont ces personnes qui se lèvent très tôt le matin et vont au champ et reviennent très tard la nuit. Mais lorsqu'ils font le champ, rien ne marche. La récolte est toujours misérable. Pourquoi? C'est parce qu'ils sont nés dans une famille maudite. C'est parce qu'ils sont nés dans cette génération de Caïn. Et la malédiction que Dieu a déclarée sur Caïn, que cette malédiction ira de génération en génération, cette malédiction a effet dans leur vie. Alors bien-aimé, écoute-moi. Si tu es ici et tu as de telles malédictions dans ta vie, laisse-moi te dire, ce soir, le Seigneur va briser ces malédictions dans ta vie. Et lorsque tu rentreras chez toi désormais, toutes les terres sur lesquelles tu feras ta semence avec Jésus, laisse-moi te dire, la récolte sera bonne au-delà de ce que tu imagines. Ce que je suis en train de dire maintenant, cela est donc clair à certains. Et ils ont pris conscience que c'est à cause de la malédiction que de telles situations leur arrivent. Oh, amen. Amen. Oh, amen. Disons amen. Dans certaines familles, c'est rien que l'esprit de la folie. C'est donc aussi une malédiction. Quatre et cinq personnes dans la famille seront des personnes folles. Et certains dans leur famille, c'est le cancer qui fera ravage, qui va tuer les gens dans la famille. Certains, c'est le diabète. Amen. Mais pour toi et moi, la différence doit être là et doit être visible. Nous croyons en quelqu'un. Son nom est Jésus. Il a vaincu la malédiction. Amen. Il a vaincra pour toi aussi. Il y a certains étudiants. Il y a certains enfants, lorsqu'ils fréquentent jusqu'à arriver en classe de terminale, décrocher le baccalauréat deuxième partie devient donc un problème. Un jeune homme est venu ici. Il a dit qu'il a passé le baccalauréat deuxième partie pendant sept bonnes années. Passer le bac pendant sept ans. Les gens ont déjà eu leur diplôme de doctorat. Ceux avec qui il a commencé les études, lorsque les gens sont en train d'avoir le diplôme de doctorat, il est en train de tenter sa chance d'avoir le diplôme de baccalauréat. On l'appelle esprit de retard.
Esprit de retard. C'est une malédiction dans ta vie. Cela va te suivre jusqu'à aller suivre même tes enfants. Lève-toi et dis, cela ne va plus arriver. Dis avec autorité, ça ne va plus arriver. Cette nuit, ces malédictions seront ôtées. Tu es en train de voir de l'un votre famille déjà. Pour certains, c'est la mort prématurée. Car lorsque votre grand-père s'est un peu enrichi, votre père a été tué subitement. Tout comme Abel a été tué. Tu as appris cela après. Lorsque ta maman a commencé par s'enrichir un peu, les envieux l'ont tué dans votre localité. Cela te persécute aussi. Mais toi, tu as rencontré Jésus. Cela ne va plus arriver. Dis avec autorité au nom de Jésus. Ça ne va plus arriver. Toute honte qui reste dans la famille. De moi jusqu'à mes enfants. Au nom de Jésus. Que les malédictions s'en aillent. Qu'elles s'en aillent. Ça ne va plus arriver. Éternel. La malédiction. C'est toi qui as été laborieux plus que quiconque. C'est toi qui es la dernière personne. Le changement doit venir. Éternel. La malédiction. Necho. Quelle est son âme de ma vie? Mais papa, mes mamans, priez, s'il vous plaît. Ça ne va plus arriver. Que les jougs de malédiction soient brisés. Rakatabayanda. Soprokete bayanda. Mandeleleke. Raikatabalayanda. Soprokatabayanda. Rebele bebeyanda. Soprakatabalayanda. Ça ne va plus arriver. Ça ne va plus arriver. Que la malédiction soit enlevée. Que la malédiction soit ôtée. Dans le nom de Jésus. Rakatabayandaba. Éternel, fais-le ce soir. Que les jougs de malédiction soient brisés. Soprakatabayanda. Rakatabayanda. Nous avons prié dans le nom de Jésus. S'il vous plaît. Vous me faites très plaisir. Vous priez de façon persévérante. Amen. Dieu donnera la réponse par rapport à vos situations de malédiction. Amen. Dites amen, bien-aimé. S'il vous plaît, dites éternel. Toute malédiction
venant de mes grands-pères, venant de mes grandes-mères. Côté paternel, côté maternel. Ma localité de naissance. Ma famille de naissance. Le dialecte que je parle. La grande ville dans laquelle nous sommes. Je parle, ok. Le pays dans lequel nous sommes. Africa, Befipode. Les malédictions de l'Afrique. Yehovah Zebot. Éternel des armées. Metien obe masubo. Je t'ai choisi afin de t'adorer. Alors, partout où j'irai dans le monde entier, la malédiction n'aura plus effet dans ma vie. Je prise la malédiction aujourd'hui. Je la prise de ma vie. Que ce soit la mort subie, que ce soit la maladie, que ce soit le mauvais héritage dans notre génération, Jésus-Christ, et Jésus-Christ, Jéhovah. Éternel. Kamboro bayandalaba. Moro boshe kabraya. Logadabara bayandele. Masara baba baba baba. Lokatabara baba. Boko babaya. Subra baboria bayandaba. Masekete kebrayande. Lokatababoria bayandaba. Masondere bebe bebe bebe. Lokaboria katabayande. Sobra katababoria ba. Supatabala bayande. Sopatabara baboria dalaba. Lokatababo kabrayandala. Lokabara bayandalaba. Supra katababoria bayanda. Ebele baba da bayanda laba. Lokababoria bayanda laba. Indara bayanda ka. Lokabo kabrayanda laba. Lokatababoria bayanda laba. Subrandere. Lokabodia katabala bayanda. Lokabodia katabala ba. Supra bo baria bayanda. Lokababo kabrayanda laba. Subala baboria bayanda. Sobala babro katabayanda. Lokabo kabrayanda. Kambara bayanda. Subra katabayanda. Lokabo kabrayanda. Lokabo babra kabayanda. Lokabo babra kabayanda. Lokabo kabra bayanda. Subra babria bayanda lala. Lokabakatabala bayaba. Lokabra katababoria bayaba. Lokabro katababoria bayaba. Rakatababara yande. Lokabara bayanda. Lokababa kababoria bayaba. Subra babria katabayanda. Rakatabo babro bayanda. Lokabo kababayanda. Suba baba varianda lava. Rakatababoria baba yande. Lobara baba. Suba baba varianda. Regedelelelele. Suba boka baba. Yes, donc dans le Jésus ben comme. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Amen. Mettez des coucou mi gloire. Amen. Répondez amen. Mine ya trop de nous bien ti. Nous allons nous tourner contre le sujet de l'envie. Bien. L'envie. C'est un esprit ou un démon. Et pour cette raison, Abel a été tué. Alors, je voulais dire au préalable, dans les grandes séances de prière, les thèmes principaux par lesquels nous prions dans les grandes séances de prière dans ce camp, le premier thème c'est contre la malédiction. Et le second thème, nous prions contre l'envie. Et c'est, nous prions par rapport à ce sujet, les soirées de mercredi dans les grandes séances de prière. Alors, pour cela, nous allons encore prier. Nous allons aborder le sujet de l'envie. Dans ces temps passés,
S'il y avait donc la révélation, et Dieu pouvait donc révéler à Abel que ton frère ou ton grand frère allait te tuer dans le champ, Abel n'ira pas avec lui. La seconde chose, les requêtes de prière par rapport auxquels nous prions maintenant, si cela avait existé dans le temps, et qu'Abel pouvait prier que quiconque veut à sa vie que Dieu puisse briser cette personne, quiconque le persécute d'envie que Dieu cible la personne, tu verras qu'effectivement Dieu va combattre pour lui. Mais il n'y a pas ce genre de prière. Nous avons assisté à ce genre de requête de prière. Alors c'est son frère, le frère de sa mère ou l'enfant à sa propre mère qui le persécute d'envie. C'est pour cela que je suis en train de dire que la vie peut venir de tout part, mais dit éternel, je ne connais pas les dieux. Toutes personnes qui envient ma vie, lorsque tu as voulu combattre ce soir, brise les envieux. Il faut cibler négativement les envieux. Priez maintenant. À cause de l'envie, tu souffres dans ton service. Et puis, les tes enfants sont en train de souffrir. Et sont les ta femme, ton mari est en train de souffrir. L'Éternel cible les envieux. Ma sabrayanda. Que Dieu brise les envieux. L'Éternel brise les envieux. Ma sara baba baba. Dans le nom de Jésus. Écoutez-moi. Nous avons prié dans le nom de Jésus. J'ai dit, l'envie, c'est un démon. Lorsqu'il te persécute, vous pouvez être de même mère, mais tu seras envié. Cela veut dire que tu es persécuté ou suivi par l'esprit d'envie. Alors, nous allons détruire l'esprit d'envie. Dis éternel, l'esprit d'envie qui me suit, je le brise cette nuit. Priez, s'il vous plaît. Brise l'esprit d'envie. Brise l'esprit d'envie. Brise l'esprit d'envie. Yehoah, l'Éternel, Basara Babaya, Rokatabayanda, Robo Sokoto, Rakatabayanda, Nubiak Bokboyonek Bodo, l'esprit d'envie qui me persécute, Reketele Bayanda, Zobro Katabalayande, Rakatababoyanda Lava, Robolo Babayande, Zobro Katabalaba. Reketelelele Subrayanda la baba Rokanda la baba Rakata bayanda Subrayandele bebe bebe Reketele bayanda Roba la baye Le manda kaboro Subrakata bayanda Rababo kata bayande Lo baba bo brakata la yanda Subrakatele brakanda yana Sobolo brakiri abayande Rabobolo abayanda la
Lobokoto Bracadalaba. Lobabarabayaga. Leketeleboriaba. Hey, Kambarabayada. Suibalabaya. Lobrocatalabaya. Raikabarababa. Mantelele. Le Yesu ben tome. Dans le nom de Jésus. Oh, alléluia. Disons amen. 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 Mais des coucou, amen. Disons amen. Oh, alléluia. Amen. Ni abenu Georginam. Je suis très content de vous. Hey, mais les gadjirando lava. Lorsque je m'apprêtais pour le temple, mais mi en coup les gadjirando les que quoi. J'ai fermé les yeux, je suis en train de m'habiller. Et j'ai vu un cercueil qu'on transportait de passage. Jesus. J'ai dit Jésus. J'ai ouvert les yeux. Lorsque j'ai ouvert les yeux, quelques temps après, j'ai encore fermé les yeux. J'ai encore vu la même chose. J'ai dit comment? Pourquoi est-ce que le diable a encore fait ce projet? La mort, bien sûr, nous allons mourir. Mais toutes sortes de morts. Dit Éternel. Toutes sortes de morts que l'ennemi a fait contre ma vie. Que ce soit spirituellement, que ce soit physiquement, maintenant, que l'Éternel détruit les projets des morts. Jesus. Ah oui. Toutes sortes de morts. Que l'ennemi a formé contre ma vie. Maintenant, tout cercueil que l'ennemi a planifié pour ma vie, le cercueil s'explose. Que les cercueils s'explosent. Ragadabarabayanda. Dans le nom de Jésus. Amen. S'il vous plaît, dites amen. Tout ce que tu as écrit sur moi. Que cela s'accomplisse dans ma vie. Tout ce que tu as écrit sur ma vie, permets que cela s'accomplisse pour moi. Donne-moi de la liberté. Jésus, donne-moi de la liberté. Sauveur Jésus, donne-moi la liberté. Ce que tu as écrit sur ma vie permet que tout cela s'accomplisse pour moi. Nous sommes.
Je sais que mon Sauveur est vivant. Et chaque fois, il a pris pour moi, intercède dans ma faveur. Nous, c'est nous aussi. Tes deux mains là où tu es. Gloria cabra yande. Gloria cabra yande lele. Zui kebele bronda la baya. Makambolo cobra yandala. Makambele ki yande lele. Partout où tu te trouves, l'Esprit de Dieu viendra te visiter. Savez-vous, bien-aimés, il y a les maladies de malédiction. Amen. Si tu te trouves dans les liens de malédiction, que ce joug soit brisé de ta vie maintenant. Une maladie qui a tué ton père, une maladie qui a tué ta mère, se trouve dans votre famille. Tu portes cette même maladie. Sors de ce lien maintenant. Que le Saint-Esprit cherche ces personnes. Dans votre famille, le célibat, se marier, donc c'est un problème. Le mariage devient un problème. Et c'est donc maintenant ton tour. Mais toi, tu connais Jésus. Cette malédiction doit quitter. Si tu es dans cette chapelle, et cet esprit qui persécute la famille,
Ce même esprit te persécute. J'envoie le Saint-Esprit maintenant. L'esprit de célibat ou la malédiction de célibat. Que le Saint-Esprit te libère. Saint-Esprit. Rakatabayanda. Subrakatabayane. Ceux qui sont sous ce joug. Le joug de la malédiction. Que le ciel te délivre. Vous mariez bien sûr. Mais tu ne vas jamais jouir de ton foyer. Que ce soit du côté des hommes, du côté des femmes. Tu es dans le foyer bien sûr, mais pas de joie dans le foyer. Saint-Esprit, je t'envoie maintenant. Partout se trouve quelqu'un et qui ne jouit pas de son foyer. Et c'est une chose héréditaire de la famille qui le persécute. Que ce soit un homme, que ce soit une femme, que le Saint-Esprit délivre. Saint-Esprit agit. Amène-moi ces personnes. Maintenant. 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 Lokatayanda. Zobrakataya. Rakatabayanda. Loprokatayanda. Partout se trouve cette jeune fille. Ce jeune homme, ce qui est arrivé à son père, et son père n'a pas joui du foyer, cela commence par arriver encore dans ta vie. Ce qui est arrivé à ta mère, cela commence par arriver dans ta vie. Ce qui arrive à tes grandes sœurs, tu commences par traverser la même situation. Saint-Esprit agit. Amène-moi ces personnes. Amène-les-moi. 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 Requête-les. Sobrakatayanda. Il y a certaines familles, quand ils font le chant, pas de réussite. Ils ne vont pas étudier, avoir les diplômes aussi. Ils ne réussissent même pas dans le commerce. Et la malédiction qui les persécute, c'est la malédiction de récession ou de non-prospérité. Saint-Esprit, l'esprit de non-prospérité ou récession ne va plus avoir effet dans la vie de cette jeune fille. N'aura plus effet dans la vie de cette femme. N'aura plus effet dans la vie de cet homme. Saint-Esprit agit. Délivre ces personnes. Délivre ce jeune homme. Maintenant. Jeune homme. Tu es né dans une belle famille. Mais tu es envié. Et toi, tu es persécuté par envie dans la famille. Maintenant, j'envoie le Saint-Esprit partout où tu te trouves. Que le Saint-Esprit te cherche. L'esprit d'envie qui te persécute. L'Éternel te délivre de la main des envieux. Maintenant, Saint-Esprit agit. Je dis agis. Je dis agis. 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 L'obrakatabayanda. L'obrakatabalaba. Masuta. Kambarabayanda. Les jeunes filles qui sont frappées par l'esprit de célibat. Parce que cette malédiction de famille, la famille a été vendue à l'esprit de sirène. La famille a été vendue à l'esprit de serpent. Soyez vigilants, les serviteurs de Dieu. J'envoie le Saint-Esprit. Maintenant, maintenant, partout te trouve quelqu'un. La personne est vendue à un mami wata. Le feu, maintenant, esprit de serpent, serpent de famille, le combat commence. Maintenant, rakatayana, sobrondolobaya, maintenant, tout esprit. Auquel vous êtes livré. Que jamais tu ne vas te marier. L'esprit a menti. Maintenant. Que ce joug soit brisé de ton cou.
maintenant. Partout tu te trouves dans les quatre coins du monde. Et la malédiction s'oppose à ton mariage. La malédiction a menti. L'heure a sonné. Tu dois rester au foyer. L'Éternel va te délivrer. En cette année 2022, tu dois célébrer ton mariage. Pour cela maintenant, que le Saint-Esprit vous délivre. Qu'il enlève de ta vie l'esprit ou l'habit de célibat. L'habit de célibat. Il l'enlève maintenant. Les esprits sous-marines. Maintenant, Saint-Esprit, agis. Le serpent de famille. Le serpent de famille. Le serpent de famille s'oppose à ton mariage. Il a menti. Tu vas te marier certainement. Dans le nom de Jésus. Partout où les gens reçoivent la délivrance, s'il vous plaît, aidez-les et faites-les partir des allées. Oh, Pifila. Maintenant, Saint-Esprit, agis. Écoutez-moi. Quelque chose se passe. Il y a dans une maison, c'est l'esprit d'infécondité là-bas. Il y a certains parmi nous ici. Tu es né en cela. Il y a plein d'infécondes dans la famille. Mais toi, ce choug va quitter ton cou, ta vie. Ce lien va quitter ta vie. Tout esprit qui s'oppose à ta procréation, que ce choug soit brisé. Maintenant, Saint-Esprit, agis. Rakatabayanda. Zobro katabayanda. Reketele bayanda. Londolo bayanda. Écoutez-moi s'il vous plaît. La bénédiction qui vous appartient, c'est la malédiction qui fait que tu n'avances pas. Lorsque tu as toujours tes mains. Amen. Tout ce que ta main va toucher sera béni désormais. Parce que la bénédiction va quitter ta vie. Si la terre est infertile aux gens, la tienne sera fertile. Amen. Si nul ne prospère dans votre famille, toi tu vas prospérer. Alors si tu es parmi ceux qui ne prospèrent pas, j'envoie le Saint-Esprit là où tu te trouves maintenant. Dieu est en train de faire un mystère ce soir. Il est en train de sauver ces personnes. Après ton départ de ce camp, tout ce que tu vas entreprendre, rien que de l'avancement. Alors ce miracle, qu'il s'accomplisse dans ta vie. 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 Ceux à qui Dieu ouvre les chemins, ouvre les chemins, de façon prompte et subite, que le Saint-Esprit te cherche, ce jeune homme, ce pasteur, maintenant, le Katabalayana, rebelebelebe. Écoutez-moi. Il y a certains, Dieu leur a donné les dons excellents, les dons agréables, les dons spirituels. Cependant, la malédiction a la domination sur ces choses. Dieu a mis en toi des bons dons. Les esprits démoniaques, les malédictions ont la même mise sur ces choses. Partout où tu
te trouves dans ce camp, partout où tu te trouves dans le monde entier, maintenant, maintenant, le don de guérison, le don de prophétie, le don de vision, le don d'évangélisation, maintenant, Sobrokodolo, Mantelele Braya. Le don excellent. Ces dons vont agir. Que la malédiction s'oppose. Que la malédiction dise oui. Dieu est prêt et va t'utiliser. Partout où tu te trouves. J'envoie le Saint-Esprit. Onction lourde. Qui enlève les malédictions. Qu'elle enlève la tienne. Qu'elle enlève la tienne. Qu'elle enlève la tienne. Qu'elle enlève la tienne. L'obra katabayanda. Reçois cette onction. Tu as toujours les visions que Dieu est en train d'utiliser. Mais cela ne porte jamais cher. Parce qu'il y a une malédiction. L'heure a sonné. La malédiction ne peut plus avoir le dessus. Les signes et les miracles vont passer par toi, la dernière personne. Vont passer par toi qui est la dernière personne. Recevez cette onction lourde. Recevez cette onction lourde. Recevez cette onction lourde. Partout tu te trouves. Kambele brokatayanda. Hey, akambala bayanda. Soy bele katabaya. Reketele brayanda. L'esprit de Dieu est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Dans le nom de Jésus. Placez vos mains sur vos maladies. Dans le nom de Jésus-Christ, que les aveugles recouvrent leur vue. Recouvrez la vue au nom de Jésus. Que les muets parlent maintenant. Le mal du gros cœur. Jésus guérit cette maladie. La surdité. Le mutisme. Jésus guérit ces maladies. Bouffée de chaleur dans le corps. La paraplégie. Jésus guérit ces maladies. Ta colonne vertébrale. Jésus guérit cette maladie. Douleur de bas ventre. Jésus guérit cette maladie. Hémiplégie. Jésus guérit cette maladie. Dans ton utérus. Jésus guérit cette maladie. Les kystes. Les fibromes. Qu'ils disparaissent de tes oreilles. Dans ton ventre. Le mal du gros cœur. Jésus guérit cette maladie. Le diabète. Les hépatites. Jésus guérit ces maladies. De vos têtes. Jusqu'à la plante aux pieds. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Dans tes veines et nerfs. Dans tes os. Jésus te guérit. Les hépatites. A détruit certains organes dans ton ventre. Jésus t'en guérit maintenant. Le diabète. Sida. Le VIH et Sida. Jésus t'en guérit maintenant. De ta tête à la plante de tes pieds, la paraplégie, hémiplégie, recevez la guérison maintenant. Lève-toi et marche. Partout où tu te trouves dans les quatre coins du monde, et tu es aliqué maintenant, tu marches avec des béquilles. Tu marches en fauteuil roulant. Lève-toi au nom de Jésus. Recevez la guérison maintenant. Recevez la guérison maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ceux qui s'endettent
Et c'est cet esprit qui domine votre famille que Jésus te donne la victoire. Ceux qui souffrent des maux de dents, Jésus vous guérit cette maladie. Voilà, pour vous, c'est la drépanocytose qui est la malédiction. Jésus vous guérit de cette maladie. Le diabète est pour vous la malédiction. Jésus guérit cette maladie par vous. De vos têtes jusqu'à la plante de vos pieds, recevez la guérison. Recevez la guérison. Nous prions pour la nation togolaise. Nous demandons la paix au Togo. Nous la demandons à l'Afrique. Nous la demandons au monde entier. Éternel Dieu, nous te confions tous les chefs d'État, les ministres de même, les sénateurs de même, les députés de même, les préfets de même, les maires du monde entier, tous les soldats, les cantons, les chefs traditionnels, chefs de quartier, chefs de village, éternel Dieu, les soldats de toute hiérarchie qui sont en mission, éternel, donne leur victoire. Je prie maintenant, les pays dans lesquels il y a des troubles, où il y a des tumultes, il y a effusion de sang, que la paix y va. Nous demandons ton esprit, ô Dieu, d'être avec tous les hommes de Dieu qui travaillent en toute vérité. Dans le nom de Jésus, que ta main soit sur eux. Nous te remercions. Tu l'as fait au-delà de nos demandes. À cause de ta grâce, que toutes les demandes portent cher. Amen. Disons Amen. 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 Nous allons nous asseoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Écoutez-moi. Il y a une jeune fille ici. À cause de la malédiction, un jeune homme l'aime éperdument. Lorsque le jeune homme fait le projet d'aller payer sa dot, la malédiction qui persécute la jeune fille va bloquer, assujettir le jeune homme de ne pas faire le pas. Mais aujourd'hui, et spécialement maintenant même, cette malédiction est en train de quitter sa vie. Cette malédiction quitte maintenant. Alors partout où tu te trouves, pendant que je parle, que ce joug quitte ta vie maintenant. Que le ciel te cherche. Que le ciel te cherche. Gloria branda bayanda. Masora babayande. Zubra kata bayanda. Écoutez-moi. L'heure a sonné. Ta dot sera payée. Et le mariage sera célébré. Que la malédiction veuille ou pas, cela va porter cher dans ta vie. Dans le nom de Jésus. S'il vous plaît, écoutez-moi. Il y a quelqu'un ici. Son mari l'aime tant. Et il est à l'étranger en train de procéder aux papiers afin que la femme voyage aussi. Cependant,
Lorsque le monsieur fait le projet, ça revient toujours à zéro. C'est la malédiction. La malédiction dans la famille n'a pas voulu que tu connaisses le bonheur jusqu'à aller rejoindre ton mari. Ton mari est en train de faire des dépenses depuis très longtemps. Maintenant, la malédiction s'oppose à ce voyage. La malédiction n'est pas forte plus que Jésus. Partout où tu te trouves dans ce camp, et l'Éternel parle de toi, que le Saint-Esprit t'enlève ce joug. Que le Saint-Esprit te cherche. Que la malédiction veille. Hello. Ou pas. Hello. Tu vas voyager. Uh-huh. Maintenant. Uh-huh. Maintenant. Ne-t-il-on-am. Que le Saint-Esprit te cherche. Ne-t-il-on-am. Que le Saint-Esprit te cherche. Edolajo. Tu dois voyager. Edolajo. Tu dois voyager. Edolajo. Tu dois partir. Tu dois rejoindre ton mari. Maintenant, j'envoie la puissance de Dieu. La malédiction qui s'oppose à ce voyage, l'Esprit de l'Éternel, qu'il te délivre, qu'il te cherche, qu'il t'amène à moi. Maintenant, yes, amenez-le-moi s'il vous plaît. Voilà, c'est à l'extrémité du temple. Amenez-la. Écoutez-moi. La malédiction est un démon. Si tu es maudit, alors ta vie est complètement gâchée. La malédiction détruit l'homme tout comme la rouille attaque les objets et les roule, les ronge jusqu'à leur fin. Dans le nom de Jésus, laisse-moi te dire. Amen. La malédiction est vaincue dans ta vie ce soir. Tu ne seras pas forcé avant de dire amen. La malédiction est vaincue dans ta vie. Partir de toi-même jusqu'à tes enfants. Amen. Vous serez différent parmi les enfants à ta mère. Vous serez différent dans la famille. En matière d'adoration de Dieu. En matière de bénédiction. En matière de spiritualité. Que cela impacte vos vies. Que cela impacte vos vies. Amen. Amen. Hallelujah.
La sœur était en train de dire, en vérité, son mari était en train de constituer le dossier pour son voyage depuis très longtemps. Que son mari se trouve en Allemagne. Mais ils ont fait de leur possible en vain. Lorsqu'ils tentent le papier, ça revient toujours à zéro. Et donc, elle est venue par rapport à ce problème. Et lorsque j'étais en train de parler par rapport à cette situation, le Seigneur l'avait touché au niveau de la tente à Bâche. Et je souhaite dire à quelqu'un, amen, partout où tu te trouves dans les quatre coins du monde, tu nous vois, Dieu te voit aussi. Dieu te voit. Dieu te voit. Ce qui veut dire, où qu'elle soit dans le camp, la solution lui est venue. Toutes les puissances qui sont à la base, ne voulant pas qu'elle rejoigne son mari, c'est parce que cela n'arrive pas dans leur famille que la malédiction a effet dans sa vie. Je chasse la malédiction de sa vie. Aujourd'hui, elle viendra prendre le micro ici et témoigner qu'elle a reçu son voyage pour le voyage. Que cela ait lieu dans sa vie. Que cela ait lieu dans sa vie. Que cela ait lieu dans sa vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je prie pour toi que ce jour soit brisé de ton cou. Et à partir de toi, jusqu'à tes enfants, que cette malédiction parte définitivement. Amen. Dites amen, peuple de Dieu. Les nations dans lesquelles sévissent le coronavirus, toutes les personnes porteurs du virus, depuis ce camp, jusque dans les quatre coins du monde entier, si quelqu'un porte le virus du coronavirus sans le savoir, que Jésus vous guérisse. Que Jésus vous guérisse. Que Jésus vous guérisse. Dans le monde entier, les pays dans lesquels sévissent cette maladie, que Jésus guérisse ces pays. Dans le nom de Jésus. Amen. Disons amen. 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 À cause du temps, nous allons recevoir rapidement les témoignages. Ce que Dieu a guéri maintenant. Nous avons prié pour les différents types de maladies. Comment sauras-tu que tu es guéri? Tu vas t'examiner, voir ce que tu ne pouvais pas faire avant. Impossible de te lever, de te rabaisser, tu ne peux pas marcher. Impossible pour toi de bien voir ou de voir. Impossible pour toi d'écouter. Où tu as des fibromes dans ton utérus. Où tu as des tumeurs dans tes seins. Il y a une dangereuse maladie dans ton corps que toi-même tu sais. Partout où la maladie a été localisée dans ton corps. Éprouve-toi, s'il te plaît. Si tu constates que la maladie n'existe plus, pas de honte. À l'endroit où tu avais mal, il faut palper les parties là où il faut t'examiner. Si Jésus t'a guéri, s'il te plaît, lève la main là où tu es. Nous allons voir humblement. Même si tu es aux extrémités du temple, partout où tu te trouves,
Je souhaite que ceux qui ont reçu la guérison maintenant lèvent leurs mains, je vais voir. Si tu es guéri, bien-aimé, pas de honte, lève-toi là où tu es et viens chez nous devant ici. Vous qui avez levé vos mains, que Jésus vous a guéri, venez s'il vous plaît. Ce que Jésus a guéri. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mede kuku. Dada, nke ma uwa nao. Au yo dom, zaya me. Dolele kele nti okeng bova. Cancer. Cancer. Cancer du sein. Cancer du sein. Leke wo kaka nyabe cancer du sein le nti o. Nemle anome edunam. Eme kanam. Anwa me dunao. Eme kana ocha. Nem bizi ne kan otoso dom se be sezo la ele. Nenye be wonuke. Nem bizi ya. Ne biji. Nem bizi anwa nem foto ya evenam. Ah ne biji anwa ne foto anwa. Evenam. Ne kono dom da. Et tu vas là non le tine ne a le pene ne ya. Oh. Elle a 12 ans. Elle a 12 ans. OK. Kemi ba le dogbera fifi aleke o kaka nya bi podo yo. Kemi ba le dogbera. Kana le vema, Elena Jimenam. Elena Jimenam. Jimenam wa vena. Nto. Kemi va. Mi ke dogbera matin. Mi am biji am ko be e potole. Kemi ba dogbera we troya. Elle le voit les deux zinchal et dogbera me gbe am do la hon kunu. E do la podo yo. Do la podo yo ka fi ma jo le to ya di. Ma ba jo gba lo. Okay. Campus. Oh, campus. Yeah. Barakat, cha. Oh, eh? Fike? Barakat. Barakat, eh? Fike ya le na togwa. Clinique benye le na ben nuafun. Enye clinique de le lome. Ayi konji keken. Voa mekpo doyo. Voa vifi la ya. Yesu yo doma now. Amen. Oh. Amen. Acclame Jésus, bien-aimé. Il ne faut pas le faire légèrement. Acclame Alléluia. Jésus. Amen. Mm. Pendant 12 bonnes années et plus, elle a souffert entre les mains de la maladie du cancer. Vous avez écouté les hôpitaux de référence qu'elle a fréquentés. Mais ce soir, Jésus vient de la guérir. Amen. Amen. Church of God, Assemblée de Dieu, OK. La maman donc remercie le Seigneur ce soir. Elle dit il y a 12 années et plus, elle a été diagnostiquée positive au cancer des seins. Elle dit lorsqu'elle palpe les seins, elle constate toujours qu'il y a des douleurs dans les seins. Et quand elle est là, de temps en temps, elle ressent des picotements ou des piqûres dans les seins. Et quand les douleurs se déclenchent, elle ressent aussi les douleurs au niveau de sa colonne vertébrale. C'est suite à cela qu'elle est venue. Elle dit, cette matinée, le Seigneur a commencé l'œuvre de guérison dans sa vie. Elle est arrivée au moment où elle a encore palpé les seins. Elle a constaté que les douleurs ont été un peu réduites. Mais cette soirée dans la prière, lorsque l'homme de Dieu a recommandé à ce que chacun place sa main sur sa maladie, elle a encore placé ses mains sur les seins par la foi. Et juste après la prière, elle a encore palpé les seins. Les douleurs n'existent plus. La douleur au niveau de sa colonne vertébrale aussi a complètement disparu. Ce qui prouve que la maladie que la maman a traînée pendant 12 bonnes années et elle est allée dans les hôpitaux de référence sans avoir la guérison, cette soirée, dans le camp de prière, Jésus est la solution. Le Seigneur Jésus vient de la guérir. Acclame le Seigneur pour ce merveille de guérison. Alléluia. Amen. Nous sommes nous 2016.
Amen. Fikayo sova, fikayo sova. Monsieur Panja Kope. Hein? Panja Kope. Panja Kope. Noche begoji. Aha. Attendez haho. Préfecture haho bien. OK. La maman dit qu'il y a donc environ 4 ans et tout a commencé en 2016 après le décès de son mari. Elle dit quand bien même son mari est décédé, chaque fois elle rêve que son mari vient et en rêve, avoir des rapports sexuels avec elle. Et suite à cela, elle a commencé par avoir le ventre ballonné. Chaque fois, le ventre ne fait que grossir comme une femme enceinte. Mais elle est allée à l'hôpital, l'analyse plutôt a été faite. Les médecins ont déclaré qu'elle est en train de souffrir peut-être du cancer. Elle dit qu'elle est revenue. L'opération devait être faite, mais elle n'a pas d'argent. Elle est revenue à la maison. Elle dit quand elle est là, elle constate de temps en temps la présence des entités dans son corps. C'est suite à cela, elle est venue dans le camp. Et l'autre fois, c'est hier, dans la prière, lorsque l'homme de Dieu a recommandé à ce que chacun place sa main sur sa maladie, la maman déclare, elle a placé sa main sur son ventre. Et quelques temps après, elle a constaté tout comme si c'était son pied qui a été arrosé. Et donc, elle a ressenti une fraîcheur. Elle a constaté que les douleurs se sont un peu amoindries. Mais elle a encore palpé le ventre. L'entité ou bien les entités se trouvent toujours dans ses entrailles ou dans son ventre. Tout de suite dans la prière, lorsque l'homme de Dieu allait prier pour les cas de maladie et qu'il a voulu à ce que chacun place sa main sur sa maladie, la maman déclare qu'elle a encore placé ses mains sur son ventre. Et dans la prière que l'homme de Dieu effectuait, elle a constaté qu'une lumière éveillée jaillir dans son ventre et elle ressentait le mouvement des entités dans son ventre comme si lorsqu'une femme allait accoucher, qu'elle se contracte et que le bébé fait des mouvements dans le ventre, elle a ressenti la même chose. Et juste après cela, elle a constaté que les entités sont descendues jusqu'à ses pieds. Et lorsque la prière ne finisse, elle a encore palpé son ventre, plus d'entités. Les douleurs qu'elle traînait avant de venir, les douleurs sont complètement parties. Ce qui prouve que la maladie que les démons ont mis dans son corps, cette soirée dans la prière, le Seigneur vient de la guérir. Acclame Jésus. Je suis un peu plus grand.
Obe Trump de ka etu. Ok. Kiss kiale podo menam. Obe kiss le podo menam. Ok. Kaka so kemba. Mba le du sa le niya. To ajin le dog beran. Le biyo ma obe na kemba majwa. Ma uno wende na mcha ma varida se. La saga minse na mori na se le radio me. Mcha ma dida se. Kemba ma jo le to ajin. Mi va le dog beran. Kifi ya ke mi va le dog beran. Le se kaka so nwa le woko le dog beran. Nwa le ho le podo menam. Va. Eva ko do bravo e fa fifi je ko lo do gbe nu atagba holo podo me be va kaka po be va la fonam ti gbe afole tunam ni kaka va le jade kwa ko do bravo pa enu abu e fi obe kiss ke le podo me na wa kisa o se re be nko e fa na sa me ho na ti gbe evi ne ne le podo me e fa na si gbe vi ne ne vo ke mi do gbe da fifi a o ko do yo e bu o n gba le se o amen amen asikpe ne sing na yesu lo Ne semnelo, ne semnelo. Alléluia. Acclame très fort Jésus, s'il te plaît. Amen. Amen. La maman dit qu'il y a 7 ans, elle a été diagnostiquée positive aux trompes bouchées. L'analyse a été faite quelques temps après. Les médecins ont révélé qu'elle porte encore aussi des kystes dans son ventre. Ou bien ce sont des kystes même qui ont occasionné cette trompe bouchée. Elle a cherché des guérisons sans en trouver. Cette soirée, lorsqu'on était en train de prier, que l'homme de Dieu a recommandé que chacun place sa main sur sa maladie, elle a placé sa main sur son ventre. Et dans la prière, elle a constaté le mouvement du kyste dans son ventre, tout comme le fœtus bouge dans le ventre de la femme enceinte. Elle dit dans la prière, elle a constaté que l'entité s'est déplacée jusqu'au niveau de son pied. Quelque temps après, le Seigneur l'a complètement touché. La lourdeur qui se trouvait dans le pied, la lourdeur est aussi partie, ce qui prouve que les kystes, ou bien le kyste que la maman a traîné pendant cette bonne année, cette soirée dans la prière, le Seigneur Jésus vient de la libérer. Acclame une fois encore Jésus, s'il te plaît. Ne micro mama ya voko mi magaho nyon dekeo mi atroho nsua meve sokpede mama ya anti le game anti eno nyekpeti owa isomdi kanya mi abadi da sena mi sia mi ngba bijo meneke mi afofo kpeti owa mi ameve ko mi aho ta meke jana mi temonyaja elanya ameke obela na mia na mekpeti owa nanyi le game anti mi de kuku isomi aho amekpeti owa isomi abadi da sena mi sia mi ngba bijo mi babeti wa ne Da, ni de kukunu ke ma uwa nao. Ma uwa nugande nao. Do, kunu pose sende. Ma uwa nugande nao. Do lele kele nti uke ngbo vafi yo. Tension. Tension be do lele. Eto ji wa wle ti nene, nkeke nene alope nene yao. 7 ans ya. 7 ans. O ikondi ya. Ikondi, unatike chaque mois. Unatike, leti si aleti. Voga ke ya. Egba potole. Ok, kemi va le dog bra vivi aleko kakanya be podo yo. Onim le atadu nam e kan be fi ere ke ve nam. Eta odu nam. Donc I saw kemi va mi le dog bra ko be e kan de ke lona fi e ve nam an gba le vi. E kan. Enona ji e ve nam. Ko be ngba le ve mu. Ngba le ve o. Ba kemi ngba va le dog bra ko be le ke ta chan du nam ko toro an gba le se o. O ngba le se o. Amen. Amen. Maladie de 7 ans. Jésus vient de guérir tout de suite en un clin d'œil. Acclame Jésus. Amen. La maman dit qu'il y a 7 ans, elle a été diagnostiquée positive à la tension artérielle. Les médicaments lui ont été prescrits qu'elle prend chaque fois, mais il n'y a pas de changement. Elle dit, lorsque le mal se déclenche, les symptômes, c'est qu'elle a des douleurs au niveau des deux flancs de la tête. Il y a certains nerfs qui s'y trouvent qui lui font tellement mal, au point où elle a les maux de tête aigus. Elle a encore venu dans le camp avec cette douleur. Lorsqu'on était en train de prier, elle a constaté que les douleurs qui se trouvaient au niveau des nerfs, au niveau des deux flancs,
les douleurs ont complètement disparu des nerfs, mais restent les maux de tête à disparaître. Et mais tout de suite, dans la prière, lorsque l'homme de Dieu priait pour les cas de maladie, elle a encore placé sa main sur sa tête, et à sa grande surprise, elle a constaté que juste à la fin de la prière, les maux de tête qu'elle avait de façon atroce, les maux de tête sont complètement partis, ce qui prouve que la tension artérielle qu'elle a traînée pendant cette bonne année, tout de suite, le Seigneur l'a guérie. Acclame le Seigneur. Praise the Lord. Alléluia. Nke ma wo na o. Ko si ro mo to en ya. Eye si ro nye jo ba tu aji. Do le patare ba jeji. Yo jo ba me va na me sra ne pona. E va na so gbo. Me va na gbo. Okay. Eye le ko si ra mo tutu a. Mo po do je si be e ma ja je mo. Be ve se se re le ko jina. Eye e ko le ku. Na me le mo ji cha ko no na ku. Nemo na icha kwa nona ku e me gba ba matin a odura gbare a a o nyi me dura gbare ko wa dolele agbale iji esuna bien se bena de dolele ale ke le dombo yesu time ba don dodo mo tu aji a madula po don ti wa mi ba no aye papa le dogbere abe mi ada sire mi ama dolelo ji a me tro ko ale ke a nyan gbale si o me tro le ka nyan gbale si o e yo pa gbe jojo ra pa mo po be ko nya e to te sire ka amen. Aye o globe ni atu amo po be npe be ni awon ni me jibe macho wa e ba mo no kwasi ji mo kwasi ji a mo po mo mo gbogbo kasi nti nye nbe o mo do la dida se ta ma we no pata le ja we no so nya cha. Amen. Amen. Le monsieur remercie donc le Seigneur ce soir. Il dit il y a quelques jours il a traîné les maux de cou, la torticolie, et donc le Seigneur, de façon miraculeuse, cette soirée l'a guéri. Il dit, lorsqu'on était en train de prier, la douleur y était encore. Mais lorsque l'homme de Dieu a recommandé à ce que chacun place sa main sur sa maladie, le monsieur déclare qu'il a placé sa main au niveau de son cou. Juste à la fin de la prière, les maux de cou qu'il a traîné pendant quelques jours, le Seigneur l'a complètement guéri. Il est revenu partager le témoignage avec nous afin de remercier Jésus. Acclame le Seigneur. Praise the Lord. Okay, mau now. Mau du jinam. Le dolele kame. Edem le eku basi me. Eku. Fifi a kemi ne dogbera. Puisque enwa e jodo jinyele e bebe wetroya. Eke eso wetroya me jibe mava se mau nyama ten ato. Ye me drado me de nouveau dare. 5 heures me demoto be ma jokwa e me le se bebe. Omdola jo olai armé de midi les Jésus a la solution diable et mi fun mi mi va le passer be 15h yen jemo bona yen soit de ko pepe moy de cadre de temps somo yen ye kwimi leson convoi so de dikope et mi va do peaja ye mi no telefunu yen le bien benade de cadre fiko le yo e be le atapa me yen be anyan le ipove Bemiazon, Bemba Pujo. Demilezon, Kakaka, Mito Gamenti, Waime Sekbede, Be, Evigno Note, Keme de Kony, Mekwa Medeko. Demezon, Metona, Mabe, Ele Pompona, Mabe Ao. E Mezon, Kakaka, Mejavado, Rai Aji, Rai Denan, Rai Olakpo, Rai de Kengwa, Ado, Amakpape, Juame. E Medo, Rai Aji, Kwae, Emonia, Megazi, Emonia, Bebe Mamba Hogazo. Ça et les 5 vitesses voir et peut même pas en vitesse et mais les freins mais les toi tes zirika quoi 100 mètres nene quoi et tant des rivaux par des cadjay que nyekou mi les zones et nous allons tu aller 17h30 et mais les modi mais be oh mau au dem le kuba si menya tepe et nous joiné a puisque mau ba me aglebe da seyde la te gomme le kaka et toi dit wa nyemenya benyeji e bela jedo e megbona me va do péagile me tourne tien gbona ye mau le gbon bena no do ken gbola do toaja mau ba me alagba de nyaya to pepepepe ye kho de defiaso adaka anti e me senya me be ah mau le e ta me be ma da pe na mau be edem le kuba si me wetroya. Mm.
Tu peux acclamer un peu plus fort Jésus que cela. Alléluia. Oh. Amen. Le frère remercie donc le Seigneur ce soir pour ce qu'il a fait dans sa vie. Il dit qu'il devait venir ici afin de pouvoir suivre la prière de cette matinée. Donc hier, lorsqu'il a faisait les colis pour partir, le Saint-Esprit lui a dit de ne pas quitter, de rester et de suivre la prière aujourd'hui avant de revenir, ce qu'il a fait. Il dit, chemin faisant, il venait, il avait rencontré un jeune homme aussi qui voulait aussi faire le chemin avec lui. Et donc, ils venaient ensemble. Il disait, arrivé quelque part vers Gamé, il a écouté une voix qui lui dit, arrête-toi ici. Il dit, il a écouté la voix, mais il a tourné la tête, il n'a vu personne. Donc, il a été obligé de demander à son second, le compagnon de route, de lui demander, est-ce que c'est lui qui a dit de s'arrêter? Il a dit non. Et donc, il a dit, chose étonnante, il a constaté que la vitesse était sur 5. Mais il a constaté que le gaz de la moto s'est arrêté instantanément. Alors, impossible pour lui d'avancer. Et donc, juste, il s'est arrêté. Le frère qui était donc son compagnon de route était devant lui à 100 mètres. Quand le frère dit soudainement, il a vu un titan qui a fait une embardée. Le titan a été déraillé de sa route et le titan a écrasé le jeune homme qui était donc son compagnon de route cette matinée. Et dit, il venait. Lorsqu'il venait, le Saint-Esprit lui a dit, ce sont des grandes choses que je t'ai faites. Dans la prière ce soir, Dieu va passer encore par l'homme de Dieu pour te révéler ce que j'ai fait. Et dans la prière ce soir, effectivement, l'homme de Dieu disait que lorsqu'il s'apprêtait pour venir dans le temple, il était là les yeux fermés quand il a vu un cercueil qui était transporté en passage devant lui. Et on a prié par rapport à cela. Alors lorsque le sujet a été mentionné, le frère effectivement a reconnu que ce que Dieu lui a dit, Dieu n'a pas menti, c'était lui qui était le concerné. L'homme de Dieu a reçu la même révélation, mais Dieu soit lui. Il a combattu pour lui et ce soir, il est revenu partager le témoignage avec nous à la gloire de Jésus. Alléluia. Amen. Oh, merci beaucoup. Alléluia. Amen.